Alors, salutations les Pokéfans. Aujourd'hui, on va ouvrir des cartes Pokémon, donc Voltage éclatant particulièrement. On va ouvrir un coffret à la Kazam avec du Ultra Prisme ainsi qu'un Clash Rebelle, mais surtout du Voltage éclatant en particulier. Et on va aussi ouvrir une Pokéballs, enfin une Hyperballs, qui est plutôt assez sympa. Le focus il veut pas, bon, c'est pas grave. Mais du coup j'espère que les cartes vont pas être écrabouillées, parce que j'avais un peu peur en achetant ma Pokéball que les boosters et les cartes sont un peu abîmées. Je sais pas si vous ça fait pareil, ou si ça vous est déjà arrivé d'ouvrir des Pokéballs, si les cartes sont abîmées ou pas. Donc on va voir ça, j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Mais en tout cas ça me fait une belle découverte en tout cas, donc c'est pas grave. Donc quand même j'ai hâte d'ouvrir le Voltage éclatant, parce que à l'intérieur on a quand même des cartes que j'ai pas encore packées, du style Full Art Alistair, ou encore Feiza, et puis pourquoi pas le Pikachu arc-en-ciel, le fameux. Donc on va voir ça, j'espère qu'on aura quelque chose de bien. Je suis un peu dégoûtée quand même les gens, parce que je voulais ouvrir la nouvelle extension comment ça s'appelle déjà. Ouh, j'ai oublié. La nouvelle extension là, qui est sortie vendredi, Destinée Radieuse, voilà. Je voulais absolument la paquer aujourd'hui, mais malheureusement dans tous mes magasins près de chez moi, je suis allée à Intermarché, je suis allée à Leclerc, je suis allée à Jouer Club, et comme la Fnac elle est fermée, comme c'est dans une grande surface près de chez moi, bah j'ai pas pu aller à la Fnac et du coup je suis dégoûtée, ils sont pas encore sortis. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même contente d'ouvrir du Voltage éclatant. J'espère qu'on va avoir des choses quand même bien, malgré tout, même si Destinée Radieuse, ça me fait chier de pas l'avoir. D'ailleurs, si vous voulez que j'ouvre une certaine extension, vous n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou en commentaire. On va commencer à paquer, c'est plutôt sympa. La grande carte, je vais la rajouter à ma collection. Donc hop, je vous la montre là. Elle est plutôt sympa. Vous savez ce que vous en faites vous de vos cartes comme ça là? Parce que moi je sais pas quoi en faire, j'en ai plein. J'en ai plein, j'en ai pas non plus des masses et des masses, hein, on va pas. Mais j'ai celui-là avec Noctinoir et Noctalie. Pas l'artichaut et Sort Silence, mais je sais pas trop quoi en faire. Je la mets à la fin de mon classeur, je t'avoue que je sais pas trop quoi en faire, je sais pas ce que vous en faites vous. Je me disais peut-être les accrocher au mur limite, mais. Mais du coup j'ai un peu peur de les abîmer, je sais pas trop quoi faire avec, même si je les trouve particulièrement belles et sympathiques. Hop. On va ouvrir ça. Il est difficile à ouvrir le petit donc le petit Alakazam. Il est plutôt bien. Pensez à acheter des sleeves, les gens, des protections pour les cartes. Parce que pour protéger vos cartes, pour pas les abîmer, c'est plutôt bien. Et puis surtout que, en plus de ça, si vous voulez les revendre plus tard, vous perdez beaucoup de cotes si les cartes sont abîmées. Donc n'hésitez pas à acheter des petites sleeves, des petites protections de cartes. Ça coûte rien du tout. Donc voilà. Alors. On a donc du Voltage éclatant, un Ultra Prisme avec Giratina,
un Clash des Rebelles avec Gorithmic et un petit Pikachu. Hop, hop, hop là. Alors, c'est parti. Les codes comme ça, je les mets là, mais je vous les remettrai sur Instagram parce que tout simplement vous n'avez peut-être pas forcément le temps de noter, vous n'êtes pas forcément là pendant les lives au début, etc. Donc je vous les remettrai sur Instagram et d'ailleurs je mettrai sur mon Instagram un petit concours pour 20 petites cartes justement online. Donc les cartes que je vais packer aujourd'hui, les online, je vous les offre et je les mets sur mon Instagram, donc au plus rapide de les avoir. Et je fais un petit concours avec 20 cartes online, dont, attention, ah oui d'ailleurs, et le Akalazam, hop. Et du coup, dont en V, la petite Florizarre V. Donc online que vous pouvez gagner au petit concours Instagram qui sera sur mon Instagram dans la semaine. Il n'est pas maintenant, de toute façon ce sera pas encore là, mais l'heure demain peut-être ce sera mis. Pas en vrai hein, cette carte online, hein, bien sûr, sur le jeu online, donc, parce que je m'en sers pas du tout, donc je vous fais un petit concours de ce que j'avais gardé en pack. Donc le Ultra Prisme. Hop là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop, donc c'est parti. Je sais pas si vous jouez ou collectionnez plus, mais les deux sont sympas. Donc, Tiplouf, hop, Tritox. Attendez, je vais allumer la lumière parce qu'on voit rien du tout. Excusez-moi, la qualité est pas fou. Hop, c'est beaucoup mieux. Alors, Watermac, Lixie, Neuneuf. Oula, je loupe des cartes. Carte énergie fait. Trio Picker d'Alola. Avec ses cheveux là. Hop, Scott Bird Evasion, Boscara, oh Cynthia, putain je l'aime trop Cynthia, mélangez votre main avec votre deck, ensuite piochez 6 cartes, ok, et la dernière, Electable, 140, plutôt pas mal, plutôt sympa, à jouer elle doit être vraiment cool, et puis elle est plutôt sympa. Hop, donc ça c'est pour Ultra Prisme. On va prendre Clash des Rebels. Hop. Hop. Elle veut pas sortir. Hein. Les cartes elles sont de plus en plus épaisses. Je sais pas vous, mais moi je les trouve de plus en plus épaisses. C'est trop bizarre. Hop. Si vous vous demandez pourquoi je fais ça, c'est parce que en fait, il y a possibilité d'avoir deux rares quand on les range de cette manière-là. On sait que les rares, elles sont justement à cet endroit-là précis, à peu près. Donc, on les met en dernier, c'est mieux pour plutôt qu'après d'avoir des moins bien après. Donc, c'est pour ça que je les place comme ça. Alors, Magikarp, Meditica, Mouchouette, Lervibule, Coelis, on a ensuite Énergie Feu, excusez-moi, c'est que je faisais un petit truc à côté, Leave, Luxio, Disasperil, oh, je l'aime beaucoup, mais je l'ai déjà, Caninos, en reverse, plutôt sympa, et la dernière, un Exagide
qui est plutôt aussi sympathique. Alors, qu'est-ce que j'ouvre en premier? Allez, on va dire... Allez, Pikachu. Et on sait pas, hein, peut-être petit Pikachu arc-en-ciel, là. Alors. Ah, putain, elle a du mal à sortir. Et puis moi, j'aime pas les enlever comme des bourrins, là. J'aimerais bien, après, faire limite une table ou je sais pas, avec... Genre, je les trouve trop beaux, les boosters, j'ai pas envie du tout de les déchirer comme des bourrins et de pas les garder. Du coup, je les garde en général. Je les déchire vraiment si j'y arrive pas et que je les ai déjà en doom, mais je vous remettrai les codes à la fin. Hop, 4, 1, 2. Hop. Eh, oula, ça colle. C'est peut-être qu'il y a un petit truc quand ça colle... Après, ça veut peut-être rien dire, hein. C'est peut-être juste moi qui n'ai pas doué, ce qui est possible aussi. Alors, enfant vie, Feral, Aspicot, Palmer, Masque Caïman, Petite Énergie Combat, Graina, Énergie Arôme, Limonde, qui est immonde. Elle est dégueulasse. Oh, Zacian, je l'avais pas en Amazing. Elle est beaucoup trop belle. J'avais Jirachi et Celebi, mais j'avais pas Zacian. Incroyable. Trop bien. Et la dernière, Dracaufeu. Oh, c'est pas mal. Je l'avais déjà, celle-là, mais c'est plutôt pas mal. Putain, trop bien. Un petit Zacian Amazing, là. Putain, je suis trop contente. Montre ici aussi, enfin, peut-être mieux, ça veut pas focus de toute façon, bon, tant pis, hop, je vous la montre bien là, ça elle est grave belle, petite sleeve, hop, je vais la rajouter ici, avec mes petits amazing, j'avais déjà Jirachi et les billes, donc on rajoute ça si on... Hop. C'est parti. Maintenant, Celebi. Est-ce qu'on va voir un Pikachu V? Allez savoir. Un Pikachu V. J'en ai déjà un Pikachu V en plus. Je dis que la merde. Un Pikachu arc-en-ciel, excusez-moi. Salut. Ça va, Yunke 113, c'est ça? Non, 13. Yunke 113, pardon. Yes, merci. Hop, clap. Je sais pas si vous avez beaucoup ouvert des voltages éclatants. Si vous avez de la chance. Est-ce que vous avez de la chance aux cartes, vous? Parce que moi, vraiment, ça dépend de ouf. Genre, des fois, genre au début, quand je les ai ouverts, les voltages éclatants, quand ils sont sortis, j'avais pas mal de chance. Enfin, un petit peu. Et après, j'en ai plus. Donc aujourd'hui, on va voir si j'ai un peu plus de chance. Parce qu'il y en a, ils ont vraiment la chance de dingue. Moi, j'ai une amie, genre, à chaque fois, elle a des trucs. Genre, je suis en mode, waouh, mais quelle chance. Mirontel, Aspicot, Énergie Psy, Négosier, Tiratroc, Énergie Pierre. Oh, bah, deux fois Énergie Pierre. Niasmax. Je l'avais déjà en reverse. Les Pix. Oula, il y a un problème, non? Ah ouais, il y avait rien du tout. Ah bah d'accord. Hop là. Alors, il reste deux. Hop. Énergie. Merci. Je suis là, tu vas drop yes. Tu vas me donner la chance. Alors, on va ouvrir un petit Celebi comme on l'a deux fois. Hop. Hop. Et. Hop là.
chat. Touk, touk. Oula, il veut pas. Pourquoi tu veux pas? Hop. Alors. Zébivron. Terral. Chauve-souris. Chuchemur. Énergie. Mal. Mateloutre. Ténéfix. Picléron. La petite reverse canon. Et la dernière, Krakos. C'est pas fou, mais c'est pas grave. On n'a pas du tout encore fini, donc tout va bien, tout va bien. Hop, on va prendre un petit Astronel. Allez, la chance. Le petit Pikachu arc-en-ciel, là, d'un coup des familles qu'on va pas voir venir. Il faut être positif dans la vie. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oui, bah oui, c'est pas fini. Il reste encore pas mal de boosters. Donc, enfin, pas mal. Il m'en reste 5. Donc, ça va. Enfin, 6 avec celui-là. Alors, chauve-souris. Poulpaf. Anchouette. Miam Miams. Energio. Motismadrone. Nigosier. Karatroc. Un petit reverse Metang. Plutôt pas mal. Et la dernière. Oh là là. J'ai pas vraiment de chance du tout là. Ah, mais après, c'est les premières. C'est les meilleures pour la fin, c'est pour ça. Allez, le petit Zarud. Zarud, il m'a toujours porté chance. En général, j'ai des bonnes cartes dans Zarud alors que. Vraiment, je le trouve dégueulasse, ce Pokémon. Mais bon, on sait jamais. Ah, putain, elles sont grave épaisses, les cartes. Hop. Un petit code. Hop. Ah non, mais... Teg. Dégueulasse. Alors. Un petit Rocambeau tout mignon, déjà, ce sera mieux que Zarud. Midina, Pikachu, Mingal, Androcher, Énergie Plante, Graina, Énergie Arôme, Limonde, un petit 9-9 en reverse. Oh, Farfadet UV, il est trop mignon. Je crois que je l'ai en plus. Je l'ai en reverse en plus, mais il est trop mignon. Et c'est tout. Ok. Ah là là, cette chance pas ouf. Mais c'est pas grave. Allez, Celebi, porte-moi chance. Je sais pas vous, mais moi à chaque fois, c'est trop bizarre. J'avais eu un Zarud V dans mon Zarud. J'avais un Celebi Amazing dans mon Celebi. Et j'avais eu un Astronel VMAX dans l'Astronel. Je sais pas si ça... Si vous c'est pareil, genre c'est un truc de ouf, je trouve ça extrêmement drôle. Hop. Oula, ça veut pas. Putain, j'aimerais bien avoir un petit dresseur full art là. Ce serait grave bien. Un petit Feiza ou même Tarak. Alors, Mingal. Axoloto. Tikremi. Terral, Lingmama, Zelocroc, Metang, Alistair, je le veux mon full art, et hop, Crascavusque, et Coconfort, en holo, en reverse, et la dernière, Terrakium, bon pourquoi pas, mais je... Ouh, c'est pas fou, hein. Il va me rester... La petite Hyper Ball en espérant que les boosters ne soient pas trop abîmés. Salut Néo Morty, comment ça va? D'ailleurs, si vous voulez une extension précise que j'ouvre ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander pour la prochaine fois, il n'y a pas de problème.
Donc, hop. Oula, les boosters, ils sont... Ouf. J'espère que les cartes, elles sont pas abîmées à l'intérieur. Bon. C'est du soleil et lune, ombre ardente, invasion karma, et soleil et lune, tout. Le petit pince. Ouh, c'est un petit réchou, il est pas mal. Putain, je rêve où il est. Il y a une petite... ça se voit peut-être pas, mais... Il y a une petite rayure, putain, à force de... Que le truc, il est secoué dans tous les sens, il y a des petites traces, putain. Bon, ça se voit pas trop en cam, mais il y a une petite... Bon, c'est pas très grave, mais... Je sais pas si je rachèterais des petites balles, parce que... Vu comment ça abîme les paquets et tout, je sais pas trop si c'est une bonne idée. Hein. Je sais pas si vous en avez déjà acheté et si ça... Si ça vous a déjà fait ça, mais... Bon, alors, qu'est-ce qu'on va ouvrir en premier? Moi, je dis, on va ouvrir en premier Sargoleo. Hop. Ouais, moi aussi, j'aime bien les choux. Il est trop mignon, en plus. En plus, par rapport aux autres pièces que j'ai, genre... je vais vous montrer ça. Genre, c'est la seule qui a des reliefs comme ça, je crois. Attends, hop. Parce que dans les pièces que j'ai un Mewtwo, un petit Manaphy, hop, hop. Ça arrive, hein, excusez-moi. Je cherche. J'ai un gros Florizarre Sarmie. Petit Dracaufeu. Ah, c'est le Dracaufeu, il est un peu comme ça aussi. Comme le Raichu, il ressemble un peu pas mal au niveau des reflets et tout. Hop. Et sinon, j'ai ça. J'ai Lunala, Manaphy, Winfrex et Mewtwo. Je ne vois pas très bien. Mais... Bref, voilà. Hop, on va ouvrir le petit Solgaleo. Alors, hop, 3, 4, 1, 2. Alors, c'est parti, en espérant avoir un peu de chance que j'ai quand même un Zacian Amazing, donc ça c'est super cool, mais bon. J'aimerais bien avoir quand même d'autres trucs. Hein. Après, je pense que Destinée Radieuse, la nouvelle, là, elle va me porter chance. Mais bon, j'aimerais qu'elle sorte déjà chez moi. Parce que je sais pas vous, mais j'ai dans aucun magasin, j'ai rien du tout. C'est super chiant. Mascaïman. Alors, Snubbull. Rapalespic. Larvibull. Fabec, Énergie O, Tétartre, Fléobal, Tarambule. Oh, elle est belle en vrai, genre en reverse, je trouve un peu. Je suis pas forcément fan de ce Pokémon, mais c'est sympa. Et la dernière, Mastouf. Allez. Allez, on va avoir un truc bien là. À part la sienne, j'aimerais bien avoir un petit truc. Hop. Hop. Là. Un, deux, trois. J'arrive pas. Hé hey, Je galère. Alors. Attendez, je me replace. 2 minutes. Alors. Araquoi. Togemaru. Sokipu. Niaus. Magikarp. Oh, elle a des petits effets, cette petite énergie. Sympa. Frisson,
Alexia. Oh putain, la masse de dresseur d'un coup là. Oh, je l'aime bien elle. Aprocine. Et la dernière. Oh, une petite holo. Petite holo pour Rigonzette. Plutôt sympa avec les reflets et tout. Hop, on va la mettre. Bah, ils sont où mes bistes, mes sleeves là? Ah ouais, ils sont cachés sous la masse de trucs là. Bah il est pas ouf, mais en vrai c'est mieux que rien quoi. On fait avec ce qu'on a. Hop. Alors, la chance elle est pas trop là aujourd'hui, mais bon. C'est le dernier. Hop. 1, 2, 3, 4. Oula, ça veut pas. Hop. Escargome, Tritox, Etourmi, Cabriolet. Oh, il est trop mignon, le petit Pikachu. Il est trop mignon. Petite énergie safe. Gravalanche. Galégaon. Gladio. Un petit Rémoré en reverse. Et la dernière. La pression là. C'est la dernière carte de. Dernière carte aujourd'hui. Oh, un chelours. Elle est en holo, quoi, mais c'est pas fou, hein. Aujourd'hui, la chance, regarde, elle est pas très là. Mais c'est pas grave, on va se refaire la semaine prochaine avec Destinée Radieuse, on l'espère. Bon. En vrai, le dessin est quand même assez mignon, quoi, mais bon. Pas, on n'a pas eu grand chose aujourd'hui, hein. Malheureusement, c'était pas foufou quoi. Je vais vous remontrer tout ce qu'on a eu du coup. On a eu le Alakazam du coup du paquet. Le petit Zacian Amazing qui est quand même pas mal. Que j'aime vraiment beaucoup. Et après, on a eu deux holos. Bon, pas fou non plus. C'est pas les meilleurs Pokémon, mais bon. Ouais, la Kazam, il est vraiment stylax quand même. Ça, je voulais prendre le paquet. Mais bon, on n'a pas eu de carte de dingue, mais bon, ça arrive. Malheureusement, on peut pas avoir toujours de la chance. En espérant qu'on aura de la chance la prochaine fois. Si vous voulez que je vous montre ma collection, il n'y a pas de problème. Ça peut être aujourd'hui ou plus tard. Sachant que j'ai repris la collection Pokémon il n'y a pas longtemps, donc en vrai, j'ai beaucoup de cartes qui datent de 1995, la première édition, jusqu'à la 4ème gen, même si après il y en a des récentes. Donc si un de ces quatre voulait que je fasse une vidéo, peut-être pas toutes les cartes, puisque bon, quand même. Putain, la mise au point, s'il te plaît. Donc bon, voilà, merci en tout cas d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à suivre sur Instagram et sur YouTube aussi. Si vous avez des idées, que vous avez envie que je pack des extensions plus anciennes, pas forcément celles qui viennent de sortir, mais une autre, n'hésitez pas à le mettre, ou même un coffret, n'hésitez pas. Je garderai ça en tête et puis je le packerai peut-être. Donc voilà, n'hésitez pas. Et j'espère que ça vous a plu et que voilà, tout simplement.
je vous souhaite une bonne soirée. Puis pour ceux qui me suivent pour mon let's play de tout à l'heure, bah tout à l'heure tout simplement. Et puis cœur sur vos têtes, je vous embrasse et des bisous.